Gournaisienne, Gournaisien, chers amis, je suis très très heureux de vous retrouver pour enfin vous délivrer une annonce et une information qui, j'imagine, va vous ravir. Vous saviez que nous luttions depuis de nombreuses années pour faire entendre les particularités, la singularité de la ville de Gournay-sur-Marne au regard de sa situation géographique, la Marne, les risques d'inondation. Nous avions senti depuis un certain temps que les services de l'État évoluaient par rapport à ce que nous leur disions. C'est enfin une réalité. Monsieur le préfet de Seine-Saint-Denis est venu nous rencontrer le vendredi 5 février dernier pour nous annoncer enfin que les aménagements que nous avions demandés étaient une réalité. Aujourd'hui, la ville de Gournay-sur-Marne n'est plus soumise au quota de logements sociaux. Ça veut dire que demain, il n'y a plus de triennal à prévoir. Ça veut dire que nous sommes enfin reconnus pour nos spécificités sur la zone inondable. Ça va avoir des implications et des conséquences directes dès demain, avec une invitation forte de limitation de la densification de la population sur le territoire de Gournay-sur-Marne. C'est pas neutre, parce que de fait, ça interdira la construction de nouveaux collectifs sur la ville. On comprend très bien, si on ne veut pas augmenter la population sur la ville, il faut bien évidemment qu'on ne construise plus dans cette même zone. Donc c'est une nouvelle intéressante, quoi qu'en disent certains. En tous les cas, c'est une information que j'ai le plaisir de vous communiquer dès maintenant. Dans cette période un peu anxiogène, c'est une information très intéressante pour la ville de Gournay-sur-Marne qui va nous permettre de réorienter un certain nombre de projets. C'est déjà le cas pour la maison de santé, qui ne sera pas totalement réalisée comme nous l'avions prévu, mais qui sera réalisée en tous les cas dans le temps imparti et dans les délais que j'ai déjà évoqués. En tous les cas, je suis très très heureux aujourd'hui de pouvoir enfin vous donner une bonne nouvelle pour la ville de Gournay-sur-Marne. Ça veut dire aussi plus d'amendes, hein, c'est pas rien dans un moment aussi compliqué. En tous les cas, je vous souhaite une très très belle reprise et au plaisir de vous voir dans les rues de Gournay, j'espère le plus vite possible démasquer. Au plaisir.